Bonjour, ici Zeph Finnegan-Fan et aujourd'hui on se retrouve pour la partie de The Battle Catch. Alors, ça fait même pas une journée que j'ai fait la première vidéo, puis genre fuck en publie rien du tout, même pas monté. Puis je pouvais pas m'empêcher, puis il fallait que je joue encore plus tôt un matin. Fait que du coup j'ai joué, mais j'ai pas fait le mode aventure, j'ai vraiment juste j'ai juste collecté les trésors des niveaux que j'avais déjà fait. Ben, genre, pour avoir le premier trésor. Le truc, puis genre, je les ai tous pognés en or parce que je suis débile, puis je vais pas m'empêcher de jouer. Donc là, j'ai Energy Drink. Pouvoir à 100%. Fait que genre le truc il va super fucking vite. Puis j'en ai aussi profité pour genre améliorer pas mal tout. Fait que là c'est nice là. Fait que là genre c'est pour ça que j'ai pu genre faire fucking d'affaires. Et là ça me tente trop de jouer. Fait que let's go. Oh. Puis les chocs G ils sont malades hein, ils sont forts. C'est débile. Je vous montre là. Les niveaux là je pouvais les finir en moins d'une minute. Anyway, Maldives. Attaque. J'ai 120 énergie depuis quand? What? Ah, ok. Bon, ok. What the fuck? C'est un ennemi rouge! C'est les ennemis rouges dont il parle, mais je l'ai encore le truc, fait que j'ai rien qu'à l'utiliser. What the fuck? C'est l'ennemi rouge dont il parle. Genre ils sont super forts. Voyez comment est-ce que je lui ai défoncé sa gueule? C'était malade. Genre là je sais exactement vu que j'ai joué justement pour avoir mon premier trésor à 100%. J'ai full joué. Fait que je sais exactement qu'est-ce que ceux que j'ai à date ils font. Puis finalement le truc, faut que je le garde parce que je vois qu'il y a eu un ennemi rouge puis ça l'a tué assez facilement. Non, ça va en Inde. Mais le jeu il est trop nice, j'adore. Fait que j'ai pas pu m'empêcher de jouer. Voyez comment est-ce que mon compteur d'argent va full vite. Ouh, le truc est loin. Non mais attends, pas ni ça.
Mais j'ai une vache. On lui défonce sa gueule. Là, il y a encore ce boss-là. Mais... checkez bien ça. Avec lui, qui nage, quand il va arriver, ça va être malade. Wow, ça lag! Ça lag un truc de malade. Wow. Shit. Ça lag. Et voilà. Le mec avec ses vagues, il a tout détruit. Bam! Le mec qui fait des vagues est super rare, puis il est malade. Puis voilà, j'ai une médaille d'argent. Mais oh my god, le mec, il défonce tout! Tout! Puis le mec, il gagne! C'est malade mental. Bon, ok. Continuons, du coup. Bon, ben, on va attaquer le Népal, du coup. Le jeu est trop malade, j'adore. Je conseille à toutes les personnes en général finalement. Elle est fucking forte aussi. Mais ce qui est fucking fort, c'est aussi lui, le mec. Genre eux. Ben elle s'occupe de ces deux-là sans problème, genre. Bam. Lui, il défonce tout aussi. Putain, en un coup, il est mort. Un ennemi rouge, aucun problème. Il est mort. Easy peasy. Un nouveau chat. Déjà, dans le stade où je suis rendu dans le mode aventure comparé au chat, je suis un peu overpowered. Surtout avec genre le trésor que j'ai pogné pis tout. Puis aussi genre les trucs là-dedans que j'ai amélioré là. J'ai tout amélioré. Au niveau 3 ou au niveau 5. Ça dépend genre l'importance que j'avais pour chaque objet. Ok. What the fuck? Bird cat? Oh my god. Ok. As a health of a pea. Ok, donc il est vraiment très fort dans le fond. On va le mettre au niveau 3. Puis on va l'équiper, on va voir ce qu'il fait, on va voir combien il coûte, etc. Oh,
Ok, donc c'est littéralement il vole. Waouh, il va quand même vite. Ok. Ok. Il vaut 650. Ok. Ah, mané, il va falloir que je commence à faire des trucs. Ok. Donc, le 50, c'est lorsque je suis en danger, puis au début. Fait que moi, pas beaucoup l'utiliser, ou pas quand je veux dépendre de l'argent. Lui, je l'utilise quand même. Là, ça va devenir mon truc de base. L'anime girl est fucking fort. Celui-là, il est utile, genre, pour enlever les affaires de loin. Celui-là, le 400, je l'utilise moins. La vache est utile genre pour dégager des affaires, mais après ça, t'as genre celui qui nage, puis la même girl, genre qui te défend tous, fait que là, je sais pas. Puis y a ça pour les ennemis rouges, puis y a ça, fait que genre, je viens juste de découvrir. On va checker ce qu'il fait dans le prochain level. Mais j'adore ce genre de jeu de stratégie-là, pas le jeu de stratégie genre, oh, faire telle affaire, puis c'est genre fucking compliqué, mais le genre de stratégie où est-ce que juste, faut que tu penses, mais pas trop, fait que tu fais genre tes affaires, puis ça finit là. C'est pas très très compliqué, puis j'aime ça comme ça. Ce que j'aime voir aussi, c'est le chat quand il va fucking vite. Il va fucking vite. Bon. Mais ça, je sais pas qu'est-ce que ça fait. I guess. Alors, ce que j'aime faire, c'est que j'aime l'upgrade 3 fois d'affilée, puis après ça, commencer à mettre mes affaires. Pour le rendre à 1250. Puis après ça, je le rends à genre 1500. Bon, en premier, l'anime girl. Je vois ce qu'il fait. Fait que je vais le mettre tout de suite. Est-ce qu'il attaque vite? Quand même. What the fuck is that? Shit. Il y en a un qui est mort. C'était quand même simple. Mais comme que je dis, mes chats là, sont overpowered as fuck. Ce qui est en train de me dire, me fait réfléchir. Sending out cheap caps to slow your enemies, progress can help. You not get overwhelmed when it counts. Managing space is key to the victory of the caps. Ça me fait penser parce que moi, tout ce que je fais, c'est spammer mes chats. Fait que... Il va falloir que j'y pense à ça aussi. Si vous l'entendez dans le background, by the way, c'est mon frère. Bon. Mais là, je me demande, il va-tu littéralement tout attaquer la planète? Ce serait malade. Déjà? Ok, il envoie déjà un truc. Faut que je réfléchisse.
Faut que j'envoie cela en premier. Parce que c'est lui ici avec les stealths qui fait les dégâts. Voilà, c'est grâce à eux qu'il est mort. L'encyclopédie. Ok, fait que là je peux lire genre les ennemis ce qu'ils font. Ah, c'est malade. Ouh, nice. Ah, je vais lire ça tout de suite. Ok, doggy, oh my god, ok. Ok, donc ça c'est les ennemis les plus faciles. Those guys, oh my god. Ok, ça c'est le plus fort. Ben non, pas le plus fort, mais what? Puis là, il y a ça. Puis là, il y a eu ça. Ok, red. Ok. Intéressant. Bon, alors, continuons. Kenya. Let's go. Lui, il va toutes les dégager. J'ai un beaucoup d'XP, c'est bien. Direct, on continue. Ouais, le chat qui vole m'a pas beaucoup utilisé parce que j'ai d'autres affaires que j'utilise avant ça. Ah. Oh my god, ok, ben les... Oh. Je vois.
Ok, fait que là, faut que j'attende genre 2 minutes. Bon, ok. Là, il y a l'énergie à gérer. Bah, du coup, on va aller dans le store. Fait que ça va être le dernier combat pour aujourd'hui. Ça a l'air. Au Madagascar. Nice, une petite médaille. There's a new cat! On va aller checker ça tout de suite, mais malheureusement, je vais pas pouvoir checker ce qu'il fait. Parce que j'ai plus assez d'énergie. Dans les spéciales. Oh my god. What the hell?
caché. Ok, donc lui il est fort contre les ennemis rouges. The fuck! C'est tout ce que j'ai à dire, the fuck! Whoops. Ah oh! Il vaut 800. Oh shit. Fait que les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, partager la vidéo si vous l'avez aimée. Vous pouvez vous abonner si ça vous tente. En tout cas, je vous conseille fortement d'aller checker les chaînes qui sont dans la liste à voir avec la petite étoile sur ma chaîne parce qu'ils sont tous lignes. À la prochaine tout le monde!